l'expérimentation qu'on fait, c'est-à-dire avec l'IAE de Montpellier, avec l'Université du Montpellier, il y a 20 étudiants qui viennent accompagner la vingtaine d'entreprises de l'Occitanie pour justement matcher le savoir-faire et l'apprentissage des jeunes avec savoir vendre les entreprises d'Occitanie sur le CES. Et vous êtes en apprentissage dans une... En fait, on est tous en apprentissage, donc on est tous avec des boîtes toute l'année. On a tous une double compétence, c'est-à-dire que moi j'ai fait DUT informatique. Okay. Et ensuite j'ai enchaîné sur le marketing digital. Théo il a fait STAPS, il a enchaîné sur marketing digital. Ça permet d'avoir un socle technique à la base et ensuite... Et donc là, voilà, les 28 entreprises d'Occitanie qui viennent, chacune est accompagnée par... d'un jeune et un partenariat. Ouais. Un groupe de trois alternants. Voilà. Ça, donc, c'est la région qui l'a un peu... Avec objectivement, c'est l'Université de Montpellier qui me l'a proposé, j'ai dit 20 autres. Ah, mais c'est intéressant. Ouais, c'est super parce que ça va être dans leur référentiel diplômant. Non, mais nous, on est très favorable à l'innovation. Alors, comme vous l'avez dit, l'innovation, c'est dans les entreprises. C'est dans les entreprises aussi bien le soutien à l'investissement que également la formation des chefs d'entreprise à l'innovation. Mais dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement, c'est la même chose. C'est-à-dire on soutient un bâtiment où vous allez pouvoir développer des applications sur l'innovation technologique, sur l'innovation aussi en matière de marketing. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il puisse y avoir une expérience vécue dans des salons. Et le salon mondial de l'innovation, c'est ici. On va après travailler avec vos enseignants, voir quelles sont les conclusions de cette expérience. Mais si c'est le cas, moi je suis très favorable à ce qu'on puisse avoir un partenariat avec l'IAE, parce que cela démontrera qu'il y a une vraie plus-value pour vous, en termes pédagogiques, mais aussi pour les entreprises, d'avoir également une dynamisation portée par la jeunesse. Parce que voilà, vous pouvez être d'excellents vendeurs et d'excellents relais avec d'autres entreprises. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir.